She says she about it. Yeah. Yo les VG, c'est Titi, j'espère vraiment que ça va pour vous, moi ça va plutôt bien en ce qui me concerne. Et aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne de la Wapture Clan pour vous parler d'une information qui aurait fuité concernant la PlayStation 4 Pro. Et ouais, vous l'avez sûrement remarqué, de nombreuses rumeurs circulent au sujet d'une PlayStation 4K qui devait enfin pouvoir faire tourner certains jeux PlayStation en 4K, ce qui est juste énorme. Et récemment la PlayStation 4 Pro a enfin été officialisée sur de nombreux sites, il semblerait bien que ce soit la PlayStation la plus puissante jamais sortie sur le marché. Niveau design, elle sera disponible en noir comme l'original, mais dispose d'un étage supplémentaire, enfin c'est assez compliqué à vous expliquer, je vais vous mettre plein d'images durant cette vidéo pour un petit peu vous faire visualiser ce que je vous raconte. Et la grosse nouveauté de cette console est de pouvoir faire tourner certains jeux PlayStation en 4K, chose impossible sur les consoles actuelles, hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente la 4K, mais c'est juste énorme, c'est un petit peu la qualité graphique juste au-dessus de la 1080p, déjà que c'est hyper beau, imaginez un petit peu la 4K. Et elle sera donc disponible au prix de 399€, soit le prix de la PS4 originale lors de sa sortie, qui coûte seulement 299€ actuellement, voilà le prix a baissé de 100€. Sa sortie est prévue pour le 10 novembre 2016 et de nouvelles informations devraient arriver très bientôt au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, pas de gameplay de fin, vous l'avez vu, mais Warnix vous prépare une nucléaire à la Nick Shadowclaw réalisée par un de nos players récemment, elle devrait arriver d'ici peu. Allez, comme d'habitude, faites-moi péter cette barre de like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Team et pourquoi pas passer sur ma chaîne YouTube pour le travail fourni. Moi, j'arrête de vous embêter, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, c'était Titi, ciao ciao.